quel est le projet de votre livre « Les hommes d'Hitler » ? Bien, d'abord, c'est un sujet, cet angle qui est neuf, en tout cas la littérature française. Il y a eu, dans la littérature allemande, un ouvrage de Joachim Fest qui s'approche quelque peu de ce livre, tout en étant distinct. C'est-à-dire qu'il a additionné une quinzaine de portraits, mais moins par rapport au personnage Hitler, auquel d'ailleurs il consacre un portrait, que le souci d'étudier les mécanismes du fonctionnement du Troisième Reich. Mon propos a été de voir quel était le lien de ces 23 personnages, 22 hommes et une femme, avec Hitler. C'est le fil rouge du livre, cette relation qu'ils ont, et à travers cette relation, je crois pouvoir en déduire que ces personnages gravitent autour d'Hitler, qu'Hitler est véritablement le maître qui est aux commandes et dont qui a entre ses mains leur destin, et ils le savent. Donc il est véritablement dans son rôle de Führer, et c'est cela que j'ai cherché à montrer, ou plus exactement, qui s'est progressivement dégagé au fur et à mesure que j'ai avancé dans le livre. Car finalement, je n'avais pas nécessairement d'idée préconçue, et puis petit à petit est apparu ce fait qui me paraît fondamental, cette dépendance, cet assujettissement de tous ces personnages à Hitler, qui en joue naturellement. Oui, parce que ce qui est assez intéressant quand on lit tous les portraits les uns après les autres, c'est qu'on a à la fois un portrait de chaque personne, mais on a en creux un portrait d'Hitler. Oui, bien sûr, puisque d'abord il y a ce fil rouge du livre qui veut dire que Hitler est omniprésent, tellement omniprésent que lorsque, ce qui est normal à la fin de chaque livre, on dresse un index, et on s'est dit on peut pas, on peut pas faire une entrée Hitler, parce qu'Hitler est présent, pour ainsi dire, à toutes les pages du livre. C'est dire donc qu'il est omniprésent, et à partir de là, eh bien effectivement, ce qui s'en dégage, c'est un portrait en creux de cet homme qui a été, je le disais tout à l'heure, le véritable maître du jeu, qui fascine ses personnages, qui les a fascinés d'emblée. Ça aussi, c'est un point qui est extrêmement intéressant, qui ressort de ces différents portraits. Ils ont tous eu un choc. Et en même temps, non seulement Hitler les fascine, mais en même temps, ils en ont peur. C'est ce qu'on constate à la lecture de toutes ces biographies, c'est que la façon dont marche le Troisième Reich, c'est un système politique qui fonctionne sur la peur. On comprend bien que la population a peur, mais on voit que toute l'intelligentsia, si on peut dire ça comme ça, en tout cas tous les hommes de gouvernement et de pouvoir, ont tous peur. Oui, toute l'élite du Troisième Reich, les ministres et puis tous ceux qui sont en charge de responsabilités diverses, eh bien, savent que leur sort dépend d'Hitler. Hitler les a faits, bien sûr, mais Hitler peut les défaire du jour au lendemain. Alors, pour certains, c'est le cas de Röhm et de Strasser, ça se termine par une liquidation physique. Pour d'autres,
on ne va pas jusque-là, mais ils savent que s'ils déplaisent au maître, eh bien, ils risquent fort de retomber dans une sorte d'anonymat. L'autre chose qu'on constate et qui est assez étonnante, pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la période, c'est l'extraordinaire variété des caractères, des qualités, des intelligences, des ambitions de tous ces, gens. Oui, bien sûr. Il y a des points communs, c'est évident. Pour la plupart, il y a une adhésion à l'idéologie nazie. Certains, d'ailleurs, je pense à Rosenberg, sont eux-mêmes des idéologues. Donc, adhésion en général à l'idéologie nazie, adhésion au personnage d'Hitler, mais tout ceci recouvre aussi des différences. Des différences dans la formation. Et il y a le groupe de ceux qu'on appelle, qui étaient appelés les Altkämpfer, donc les vieux combattants. Par là, il faut entendre ceux qui ont milité dans le parti avant la tentative de putsch du 9 novembre 23, donc les premiers compagnons de route. Bon, là, ça forme un groupe qui est non officiel, évidemment, mais qui est une réalité du régime. Ensuite, il y a ceux qui arrivent dans les années qui suivent, et pour certains, seulement au début des années 30. C'est le cas de Speer, c'est le cas de Heydrich, c'est le cas de Ribbentrop aussi. Tous arrivent 1930, 1931 pour ces trois-là. Donc il y a une diversité quant au moment où ils entrent dans la galaxie nazie. Ensuite, il y a des différences quant à leur formation. Et alors, ici, peut-être faut-il être prudent par rapport à une formulation qui ferait la grande majorité de ces hommes qui accèdent à des hautes responsabilités, au fond, une espèce de soudard. Existe évidemment, mais je ne pense pas qu'il faille pousser trop loin l'analyse dans ce sens, parce que si on regarde le personnel politique, les personnages que j'ai traités, ben on en trouve beaucoup qui ont une formation universitaire poussée, beaucoup qui ont ce titre de docteur qui est une sorte de sésame ouvre-toi Allemagne, qu'il était en tout cas. Il y a Goebbels, il y a Frick, il y a Frank, par exemple, il y en a d'autres. Même Himmler est un personnage qui a une formation universitaire. Bon, donc, n'en faisons pas de manière systématique des sortes de soudards. Alors, bien entendu, c'est une autre dimension de ce régime. Ils sont tous porteurs d'une ambition, évidemment. Oui, parce que ce qu'on constate, c'est les extraordinaires haines qu'il peut y avoir. Ils se détestent tous à peu près les uns les autres. Et ils sont tous prêts à tout faire pour soit faire tomber un collègue, soit même l'éliminer, soit surtout le retirer des yeux d'Hitler et le faire tomber en disgrâce. C'est, oui, comme vous disiez, la pire des punitions. Oui, tout à fait. Ça, c'est une dimension du régime et du sommet de la pyramide, n'est-ce pas, que la somme de détestation qui oppose ces personnages les uns aux autres. Et
d'une certaine manière, il y a une logique, puisque ce système est fondé sur le rapport avec le chef, avec le maître, donc Hitler. Par conséquent, pour être au plus près du maître, pour bénéficier de sa faveur, il faut faire des coudes. Et ça veut dire écarter tel rival, et s'il le faut, le faire chuter. Et ça, c'est une constante. C'est aussi, d'une certaine manière, c'est un autre fil rouge du livre. Alors, il y a certaines inimitiés ou certaines haines qui sont peut-être encore plus saillantes que d'autres. On peut penser, par exemple, à la détestation qui oppose Goebbels et Ribbentrop. Goebbels qui tient Ribbentrop pour un imbécile, d'ailleurs, il l'écrit dans son journal, un fat arrogant et imbécile. Bon. Et Ribbentrop, qui le sait et le sent, bon, et il y a une lutte entre les deux, parce que Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères, entend avoir sous son contrôle toute la propagande vis-à-vis de l'étranger. Et bien entendu, Goebbels n'est pas prêt à le lui concéder. Donc c'est une lutte permanente entre les deux. Il y en a un qui excelle dans cet art diabolique, si l'on peut dire, c'est Bormann. Bormann, qui est un personnage assez peu connu du grand public, beaucoup moins connu que Goebbels, que Göring, que Hitler, que Himmler, c'est l'évidence. Alors qu'en réalité, c'est un personnage central, qui le devient, qui ne l'est pas au début de la période, il ne l'est pas dès 1933, mais il le devient, et on peut dire qu'à partir à tout le moins de la disparition de Hess, eh bien, il devient vraiment un personnage central. Et il est d'autant plus central que il faut passer par lui pour avoir accès à Hitler. Oui, il est secrétaire de la chancellerie, c'est ça ? Voilà, voilà. Et donc, il peut faire le tri. Si quelqu'un ne lui revient pas, eh bien, ce quelqu'un n'aura pas accès à Hitler. Il trouvera toutes les explications pour ne pas lui donner l'accès. Et puis, ça ne concerne pas simplement des contacts physiques, des entretiens, des rencontres, mais tous ces personnages adressent à Hitler des rapports, des mémoires. Bon, eh bien, là encore, tous ces documents passent par Bormann, qui les fait suivre ou ne les fait pas suivre. Et il y a un exemple, par exemple, avec Goebbels. Goebbels considérait à un certain moment de la guerre qu'il fallait chercher à traiter. Et lui, son idée, c'était de traiter avec Staline. Bon. Donc, il écrit un rapport en ce sens, destiné à Hitler, bien entendu. Il n'a pas de réponse. Le temps passe, pas de réponse. Alors, il s'en ouvre à Bormann, et Bormann lui dit, je n'ai pas transmis la mémoire en question, puisque je connaissais d'avance la réponse du Führer. Et donc, inutile que je lui transmis la mémoire en question. L'autre chose qui semble très étonnante, c'est à la fois le désintérêt de Hitler pour toutes ces querelles, et en même temps, la façon dont il va les instrumentaliser et jouer d'une espèce de partition entre tous ces personnages qui finalement sont à la fois très autonomes et en même temps très dépendants d'Hitler dans leurs décisions, dans leurs projets politiques, dans tout ce genre de choses. Oui. Alors, Hitler, dans cette affaire, a une attitude de tacticien très, très savante, en quelque sorte, car il est très rare qu'il tranche. Alors, on pourrait dire, si on regarde les choses de loin et de haut, il ne tranche pas parce qu'il n'a pas d'avis sur la question, parce qu'il
était indécis, il était résolu. Bon. En réalité, ce n'est pas cela. C'est que, en ne tranchant pas, ou en rendant des jugements un peu Salomon, si l'on ose employer l'expression pour Hitler, en tenant une sorte de balance égale entre les personnages, c'est pour lui une meilleure manière de les tenir. Et c'est ça la clé de ce comportement qui se répète très 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 souvent. Et quels sont d'après vous les personnages les plus emblématiques de ce système? Parce que vous faites 26 portraits, il y en a qui ont des importances politiques plus ou moins grandes à certains moments. Quels sont les personnages qui, tout au long de la période, vont vraiment surnager et vraiment avoir une importance un peu constante? Alors, il y a ceux qui constituent ce que j'ai appelé le premier cercle, c'est-à-dire Göring, qui était le dauphin d'Hitler, ensuite Goebbels, bien entendu, Himmler, chef de la SS, bien entendu, et cette SS qui, étant progressivement au cours du temps son empire, on peut à juste titre parler d'un empire SS, et Himmler, qui, comme Göring d'ailleurs, collectionne au fil du temps les titres et les responsabilités. Ensuite, ce Bormann, dont je disais quelques mots, qui est certainement moins en vue que les trois signalés plus haut, qui est un personnage de l'ombre, mais extrêmement puissant. Et puis, le dernier que l'on pourrait ajouter à cette liste, c'est Speer. Speer qui a un destin un peu particulier. Voilà un autre personnage qui a une formation universitaire, qui lorsqu'il va entrer en politique est assistant en architecture à l'université de Berlin. Bon, c'est un architecte par conséquent. Et pour lequel Hitler a une relation qui est différente de celle qu'il entretient avec les autres personnages. On a l'impression qu'il y a une relation affective. Hitler pour Speer, relation affective d'ailleurs réciproque. Hitler se plaît à passer du temps avec lui. Ils parlent ensemble d'architecture. Hitler a la prétention d'être un très grand architecte. Et il a trouvé dans Speer un homme avec qui il peut parler de cette passion qu'il a pour l'architecture. Il se retrouve assez régulièrement à Berlin. Speer est invité à Berchtesgaden, ils font des promenades ensemble. Bon, et puis avec le temps, Speer gravit les marches dans la pyramide du régime, puisqu'il va terminer comme ministre de l'armement et des munitions, ce qui est un poste crucial, évidemment, maintenant que la guerre a éclaté. Et il devient un ministre au début de 1942. C'est un homme très compétent. La preuve, c'est que il va donner un coup d'élan à la production militaire allemande. Pour certains armements, la multipliant par 3. Et on peut penser que si l'Allemagne
a pu tenir jusqu'en mai 1945, c'est pour une partie importante à Speer qu'elle le doit. Alors, il fait partie de ce premier cercle. Une autre question, je ne sais plus si vous y répondez à votre préface, pourquoi il n'y a pas de portrait d'Eva Braun ? Bien, Eva Braun est un personnage, évidemment, qui mériterait une étude en soi, mais elle n'a pas été écartée parce qu'elle était une femme, puisque j'ai inclus dans ces 23 personnages Leni Riefenstahl, mais c'est une personne qui n'a pas eu de... en dehors du fait qu'elle a, à la fin des fins, Hitler l'épouse, qui n'a pas vraiment le rôle politique. Alors que tous les autres, à des degrés divers, ont un rôle politique. Leni Riefenstahl, puisqu'elle est la femme parmi les 23, n'est-ce pas ? Leni Riefenstahl n'a jamais adhéré au parti national-socialiste, sans doute, mais les films qu'elle a laissés, et bien qu'elle s'en soit défendue par la suite, sont des films de propagande, des films à la gloire d'Hitler, et par conséquent, elle a eu un rôle politique de premier plan. Je voulais qu'on parle aussi, parce qu'on a la chance aux éditions Perrin d'avoir à la fois votre livre et la chance, entre guillemets, d'avoir le livre de Werner Best, qui est évidemment très différent du vôtre, mais sur la structure et dans le principe extrêmement similaire. Il a fait aussi, lui, le portrait de quelques hiérarques nazis. La différence, évidemment, c'est que lui, il les a connus et que il utilise ses portraits dans un but politique, dont vous allez pouvoir nous expliquer. Est-ce que vous pouvez nous parler de la différence de traitement entre votre traitement, qui est un travail d'historien, scientifique, et un livre comme celui de Werner Best, qui raconte la vie des mêmes hommes, peu ou prou? Oui, évidemment, c'est à la fois semblable et totalement différent. Alors, il y a 6 ou 7 portraits, c'est-à-dire ceux de Göring, d'Hitler, ce qui fait une différence d'ailleurs avec mon livre, Himmler, Ribbentrop, Canaris et Heydrich. Voilà la liste des personnages qu'il a portraiturés. Alors, la différence de fond, c'est qu'évidemment, par ce livre, Best, en quelque sorte, se met en scène, et Best veut montrer que c'est lui qui avait compris que si on l'avait écouté, si on n'avait pas commis certaines fautes qu'il aurait pu éviter si on l'avait écouté, le Troisième Reich, eh bien, la fin des fins ne serait pas effondrée. Et qu'au fond, lui avait une espèce de sagesse, avait la réponse aux questions, mais il n'a pas été écouté. Et en d'autres termes, ce livre se lit progressivement au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, se lit comme un plaidoyer pro domo. Chacun des personnages qu'il examine, eh bien, est décrit par rapport à Best. Donc évidemment, ça fait une différence qui n'est pas mineure avec mon livre. Et que nous apprend un livre comme celui de Best par rapport à un livre d'un historien ? Ah bien, ça a la valeur du témoignage. Et le témoignage a toujours de l'intérêt. Bien entendu, l'historien doit garder par rapport à ce témoignage, comme à tout témoignage d'ailleurs, n'est-ce pas,
il doit savoir garder une distance. C'est essentiel, évidemment. Il ne s'agit pas de prendre tout pour argent comptant. Mais en même temps, ça a une valeur historique dans la mesure où ça nous découvre le regard d'un personnage qui n'était pas dans le premier cercle, certes, mais qui tout de même a été un responsable nazi, qui a exercé un certain nombre de fonctions dans le cadre de la SS, et également diplomatique, puisqu'il a représenté le Troisième Reich à partir d'un certain moment auprès du Danemark. Donc, des fonctions, sinon de premier plan, mais qui avaient tout de même une certaine importance. Donc, savoir ce que cet homme pensait de tel ou tel de ceux qu'il a choisi de portraiturer n'est pas sans intérêt. Dans certains cas, d'ailleurs, ça corrobore tout à fait ce que l'étude de l'histoire apprend, une confirmation. Je pense par exemple au portrait qu'il nous livre de Ribbentrop. Bon, ce qu'on retient de Ribbentrop, c'est qu'il était totalement subjugué par Hitler. Et il a une expression qui me paraît intéressante et juste. À la fois, Hitler exerçait sur lui la fascination qu'exerce un serpent sur un lapin. Voilà. C'est la formule qu'il emploie et qui me paraît tout à fait correspondre à la réalité de ce rapport entre Hitler et Ribbentrop. Bon. Le portrait qu'il nous livre de Göring est également, je crois, assez intéressant parce qu'il nous montre un homme qui avait des qualités de chef, mais des qualités qui se sont un petit peu perdues, fourvoyées en quelque sorte, parce que il a été victime de la multitude de fonctions qu'il a dû exercer et en quelque sorte il s'y est perdu. Il montre par exemple qu'il était certainement un excellent pilote. Il a été un as de l'aviation allemande durant la Première Guerre mondiale. Il a remplacé le fameux baron rouge Richthofen à la tête de son escadrille, donc un personnage qui, à ce titre-là, est bien pédigré. Pour autant, il n'avait pas les connaissances techniques, et n'a jamais cherché à les avoir d'ailleurs, pour être le chef de la Luftwaffe, pour être ministre de l'air. Et sans doute, cette carence peut-elle en partie expliquer la dégradation progressive de la situation à la Luftwaffe au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors ça, il le pointe bien. En revanche, lorsque il traite un personnage qui lui est directement lié, qui a pesé sur sa propre carrière, alors à ce moment-là, le portrait est en quelque sorte vicié. Vous parlez de Heydrich, là, bien sûr, je pense à Heydrich. Dans les cas précédents, Ribbentrop et Göring n'ont pas eu à décider de la carrière de Best. Ribbentrop un peu, puisque Best est devenu son représentant au Danemark, mais la relation est restée très distanciée.
En revanche, dans le cas de Heydrich, c'est très différent. Parce que, même s'il ne le dit pas, évidemment, il se garde de le dire, mais la réalité, c'est que Best ambitionnait la place de Heydrich. Il ne l'a pas obtenue. D'ailleurs, il n'avait sans doute pas la carrure pour l'obtenir. Et c'est d'ailleurs tellement vrai que lorsqu'Heydrich disparaît, personne, apparemment, ne songe à Best pour le remplacer. Alors que pendant plusieurs années, il a été un lieutenant très proche de Heydrich. Donc ce n'était pas nécessairement absurde, mais ça ne s'est pas fait. Et donc le portrait qu'il nous livre de Heydrich est tout au long des pages, dominé par cette frustration de Best par rapport à Heydrich. Il a le sentiment que c'est lui qui aurait dû être à sa place. Donc, pour conclure, en fait, il faut absolument lire les deux livres ensemble pour... Bien sûr, c'est une très bonne suggestion à laquelle je me rallie.